Elle est morte. Elle est morte. Elle est sapeur qui sont partis avec elle. On l'a amené déjà. Elle est belle pour vous de la gare. Nous ne comprenons pas. Nous sommes dans un pays démocratique où il y a la liberté d'expression, où il y a la liberté de soutirer. Ils ont bunkerisé ce village-là en ce moment. Personne ne sort, personne ne rentre. L'ensemble des journalistes de ce pays-là, on voit personne. Et cette injustice qu'on est en train de vivre, nous, Warwa, en étant dans un pays soi-disant démocratique, n'est pas normal. Nous ne sommes pas d'accord avec ce qu'ils sont en train de faire et nous allons lutter jusqu'au dernier souffle. Parce que ce qu'ils sont en train de nous imposer, nous n'allons pas l'accepter. Le parti appartient au village d'Angor. Ça, c'est, nous voulons faire un lycée là-bas. Mais eux, ils veulent mettre une brigade. Dans l'illégalité, ce qu'ils sont en train de faire, nous n'allons pas l'accepter. Ñu wa bibe ñu ay mbam ñu wa bibe kona taw rek ñu dem ku yaa dañ ci ko piraay la ñi ñoy do meral rek ma ta ay wul bu di ko ñu ñu ko na ñu